d'épouvantables ravages. Le pays des merveilles est corrompu. Le monde diabolique te fait peur? Cet enfer auquel tu fais face n'est peut-être qu'une illusion. Tu ne mens pas si bien que ça, et je ne suis pas aussi bête. J'aurais cependant préféré quelque chose de moins néfaste. Tout ceci est arrivé par ta faute, Lidl, et ne va sûrement pas s'arranger. Ton train avance à un rythme infernal. Va-t'en, le temps n'attend pas, le changement est en route. Le train à lui seul suffit à me terrifier, le chat. Trouve-toi autre chose à faire. Y a-t-il donc si peu d'espoir? Encore moins que ça. Et si la peur te bloque, nous sommes perdus. Aucune famille n'est à l'abri d'une telle catastrophe, Miss Liddell. Bien sûr, le malheur d'une famille pourrait bien faire le bonheur d'une autre, ou de la seule membre qui aurait survécu, si vous comprenez. Le temps passe et les choses changent, souvent pour le pire. Cette vision, cette infection, ce sinistre bruit, qu'as-tu imaginé, Liddell? Tu n'es pas le centre du monde, Alice. Regarde les ravages autour de toi. Essaie de comprendre. Ensuite, viens avec moi. La peau humaine, brûlée par le feu ou la vapeur, n'est guère appétissante. Pas plus que celle d'un rat d'égout. Connais-tu le dicton « fumer retarde la croissance » ? C'est ce que disent les adultes aux enfants, tout en fumant ostensiblement leur pipe. Il n'est pas utile d'inhaler, laisse seulement la fumée t'envelopper. L'auteur avait confondu poésie et pessimisme. Quiconque prétend que l'art véritable ne sert ni la beauté ni l'utilité, ignore tout de l'esthétique orientale. Ce pauvre Dodgson n'a rien d'un marin, encore moins d'un capitaine. Nous serions encore sur la Tamise si je n'avais pas ramé. L'infirmière Whitless a dit « Le feu a pris, elle s'est enflammée comme un feu de la Saint-Jean. Comment a-t-elle pu survivre, seule Alice le sait ?» Mais elle reste muette, n'est-ce pas? Chaque odeur est unique. La chair humaine ne cuit pas du tout comme une simple côte d'agneau. Celle qui sauve une seule âme sauve un univers. Tu te souviens? Serait-elle l'élue? Notre sauveuse? Notre bienfaitrice? C'est Alice, la magnifique, la brave, la téméraire casse-cou, quoique imprudente. Nous te laissons une lumière, Alice, une veilleuse pour la nuit. Mais elle reste à l'étage, et seulement jusqu'à ce que tu aies 12 ans. Vos victoires au combat et aux énigmes mènent à penser que vous êtes de taille pour le défi. Votre volonté confirmera votre valeur, ou sera votre perte. Les pernicieuses guêpes montent la garde là-haut et contrôlent les pics à l'est et à l'ouest. Il faut les vaincre pour atteindre le refuge du Bombix. J'imagine que c'est à moi d'aller les débusquer en haut de la montagne. Nous sommes sûrs que le Bombix, étrange et merveilleux, aide ceux dans le besoin. Un jour, il le prouvera. Un cœur pur peut accomplir beaucoup. Pour approcher de son domaine sacré, vous devez affronter les féroces Demios. Qui nous empêche d'accéder à son pouvoir. Je vais ouvrir l'accès aux grottes sacrées où commence votre route.
les fous voient la souffrance comme un trait de leur personnalité. Selon moi, une fille se doit d'honorer la mémoire de sa famille dans le marbre. Je connais un très bon sculpteur qui accepterait de vous faire un prix. Radcliffe ne m'a convié qu'une seule fois. Il voulait me montrer son vase Ming, comme il a dit, directement ramené d'Asie. Si Radcliffe connaît un art martial, c'est la loi. L'origine de l'incendie ne fait aucun doute. La bibliothèque a pris feu, puis les flammes se sont répandues à cause du gaz. Dina m'a sauvée. J'ai survécu parce que elle m'a dit comment m'échapper. Je n'ai pas laissé traîner cette lampe, et Dina n'a pas pu la renverser. Elle l'avait déjà quand je suis montée me coucher. Dina était avec moi quand l'incendie s'est déclenché. La porte est fermée. Elle ne s'ouvrira que si on joue la bonne mélodie avec les cloches. La mélodie est dans mon esprit comme brille petite chauve-souris. Rejoignez l'arbre, Alice, aidez nos frères. Il faut construire un pont, mais cette chose bloque le passage. Pouvez-vous nous en débarrasser ? Je pense avoir l'outil pour cela. En haut de la montagne, vous trouverez l'entrée de la prochaine grotte sacrée. Mauvaise pensée, Alice. Rejette ce qui te fait mal comme ce qui est corrompu. Oublier est un art. Ceux qui sont reconnaissants récompensent souvent la défaite. Quand j'étais plus petite, je suis descendue par le treillage. Les branches de l'arbre font comme un pont. Et ce n'est pas si haut. C'est notre secret où tu n'es plus ma sœur. Au feu, Alice! Au feu! Sauve-toi! Debout, Lizzie!
Lizzie ! Lizzie, ouvre la porte ! La clé, Lizzie ! Tourne la clé ! Tu vas brûler !